Vidéo je dis à une moto comment capable de retirer arrière-plan dans une photo, sinon retirer fond derrière une photo. Ok, c'est ça que nous voulons retirer background dans une photo correctement. Ok, pour faire ça, qu'est-ce qu'on a fait? Nous allons aller sur Google avec vous. On va aller sur Google là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire remove bg. Ok, remove bg. Et je vais faire lancer sur lui. On va cliquer sur la première option qui dit remove background. Cliquez sur lui. Et puis là, on va ouvrir la fenêtre ça là comme ça. Ou elle a marqué supprimer le fond in image 100% automatique gratis. Et puis là, on va la comme ça qu'est-ce qu'on va faire. On va cliquer sur le là qui dit télécharger une image. On clique sur lui. Et pour nous venir sur YouTube, il vient nous voir dans la phase galerie là. On a choisi image ou pas le premier background. Ok, ça c'est photo pas map. Choisis lui, cliquez sur lui. Voilà, je vais regarder là. Des fois, cliquez sur lui, il est tout propre normalement. Et tout propre normalement. Quand il y a là, qui ça le fait là, lui, il est ainsi supprimé background des photos là. Mais niveau, il vient pas rien qu'un background là. Des backgrounds là, c'est blanc, il est noir là. Correctement. Nous là, on va cliquer sur là. Pour me télécharger là. OK, me gagne une photo qui sans background. OK. Mais quand il y a là, si m'ta dit que m'a metté une autre couleur d'elle, une autre couleur d'elle, une autre background d'elle, OK. Que ça m'a fait cliquer là, on cliquer là côté qui dit ajouter une arrière-plan. On dit que là. Donc cliquer sur ajouter une arrière-plan, ça c'est tout arrière-plan capable choisir qui là. OK. Tout ça c'est arrière-plan mais yo. Tout ça c'est arrière-plan qui est disponible. Et comme calendrier vous capable choisir mais là merci son couleur vous voulez mettre vous cliquez là côté qui dit couleur cliquez là là vous n'avez pas choisi tout système de couleurs là. OK, vous avez choisi couleur là normalement mais tout ça des styles de couleurs oui mais tout ça c'est couleur vous pouvez choisir n'importe qui couleur vous voulez mettre derrière là manuel la fin qui est sous couleur là vous choisissez couleur ça et vous cliquez là vous dites terminé. Après ça, on va cliquer là encore côté qui dit. On va cliquer là pour dire télécharger. Ok, on va cliquer là encore pour dire re-télécharger encore. On va regarder là maintenant, on va gagner dans la galerie de Fadon encore. Ciao, ciao, d'abord, à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci. Merci, restez à l'écoute.